Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette première entrevue tête à tête organisée dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Durant le mois de l'histoire des Noirs, Projet Montréal a voulu mettre de l'avant des élus et des militants afrodescendants qui ont à cœur les enjeux d'inclusion et de diversité. Merci de vous joindre à nous pour cette occasion. Mon nom est Cyril Ekwala, je suis journaliste, directeur de l'Institut Néo-Québec. Et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Madame Dominique Olivier. Bonjour. Bonjour. Voilà, je rappelle, présidente du comité exécutif et conseillère de la ville dans Rosemont, la petite patrie. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. Voilà. Madame Olivier, vous êtes originaire évidemment de Haïti, d'où votre famille est partie il y a très longtemps. Vous arrivez au Canada, vous avez, on va dire, autour de 2 ans, grosso modo, Deux ans, de oui. ce qu'on sait. Et vous vous installez plutôt en Abitibi, pas à Montréal. Aujourd'hui, vous avez une trentaine d'années quand même d'expérience, un peu plus que ça, hein, Non, aussi. mais Hein? ah, d'expérience, Oui, oui. d'expérience, Ah, je je veux pensais dire qu'on dans... me disait une Non, trentaine d'années d'expérience de vie au Québec. dans Je la disais, vie. on va en On va en mettre un mettre. peu plus. Non, je voulais dire dans la vie publique, dans le travail, les projets, organisations. Vous représentez aujourd'hui Projet Montréal. Vous avez représenté Projet Montréal aux dernières élections. Vous avez été élu. Bon, vous avez occupé le poste de président de l'Office de consultation de Montréal. Ça, c'est bien avant l'élection. Je voudrais savoir une chose. Bon, au-delà de ça, avant que je ne pose la question, on vous connaît aussi une grande détermination à faire avancer un certain nombre de causes hein, qui vous tiennent beaucoup à cœur, la participation par exemple des gens dans les processus démocratiques et tout. Il y a une première question qui me vient à l'esprit. D'où vous vient cette volonté de vouloir changer la société, d'apporter autant de transformations sociales? J'aime bien votre question. Je pense que ça nous force à faire un petit peu d'introspection. Dans mon cas, moi, d'abord, je viens d'une famille qui est très, très, très militante. Mes parents, déjà en Haïti, faisaient partie des meneurs de la grève des étudiants contre le régime de Duvalier. Mon père a d'ailleurs été mis en prison, prisonnier politique, dans ce contexte-là. Donc, c'est des gens qui m'ont transmis, je pense, des grandes valeurs de justice, de façon générale, de justice sociale, d'équité, d'avancement, d'égalité des chances. C'était des choses dont on discutait pendant que j'étais très, très jeune. Je raconte souvent qu'en arrivant au Québec, ma mère était déjà dans l'équité salariale avant même que ce soit à la mode, puisqu'on lui avait dit dans les années 60 qu'elle allait gagner moins que son mari, qui était chef de famille. Elle a posé trois questions. Est-ce que j'ai moins d'étudiants? Est-ce que j'ai moins de travail? Ou est-ce que j'ai des conditions différentes de choses qu'il fait et que je ne fais pas? Et quand on lui a dit non, elle a dit, ben moi, je ne travaillerai pas pour moins que lui. Donc déjà à l'époque, c'est vous dire à quel point je viens d'une famille déterminée. Ensuite, je dirais que c'est probablement l'expérience d'être un jeune de la deuxième génération au moment où le Québec se construit, après les années de la Révolution tranquille, qui déjà porte en elle des valeurs intéressantes. Mais aussi ce sentiment de pas tout à fait faire partie de la société dans laquelle on est parce qu'on est un peu différent. Et je pense que c'est ça qui m'a amené à vouloir donner une voix aux gens qui étaient sans voix, à vouloir faire participer des gens que naturellement on ne s'attendait pas à ce qu'ils participent. Donc ça vient, effectivement, donc ça vient des parents, ça vient de l'éducation. Avant d'occuper le poste que vous occupez aujourd'hui, le dernier qu'on vous connaît, c'est celui à l'office de consultation, où, voilà, vous avez beaucoup veillé à ce que les élus tiennent compte vraiment des, j'ai envie de dire quoi, des besoins, des désirata des citoyens. Maintenant, vous êtes de l'autre côté. Oui. Qu'est-ce qui vous fait franchir le pas?
Ben, ça, pour moi, c'était évident. J'ai passé quand même une dizaine d'années comme commissaire et comme présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Donc, une décennie à entendre les gens me décrire le Montréal qu'ils voulaient. Et je dirais que autant c'était intéressant d'aller chercher ces opinions des citoyens, ces lignes de désir, ces aspirations, autant c'était frustrant une fois que le rapport était remis de ne pas avoir de place dans la mise en œuvre. Alors, je pense que quand l'appel est venu de Mme Plante, ça a été cette perspective de pouvoir maintenant participer à la mise en œuvre des recommandations qui émanaient au fond de la volonté populaire, qui m'a animée beaucoup, beaucoup. La question qui suit est évidente. Pourquoi vous avez choisi Projet Montréal? Pourquoi Valérie Plante? Intéressante question. Pourquoi? Ben, pour moi, d'abord, il faut que je vous dise que je n'avais pas du tout en tête l'idée de refaire de la politique. Je me suis Oui, présentée il parce y qu'il a faut rappeler que 25 ans, vous en c'est aviez ça, fait dans avant, les tout années 90, je m'étais déjà présentée, j'avais essayé d'être conseillère municipale à ce moment-là. Et bon, j'avais eu un parcours à travers différents partis politiques, mais je ne pensais plus me remettre en politique active. Mais je dirais que c'est les valeurs de Projet Montréal qui m'ont d'abord attirée. C'est la première chose que j'ai. En fait, c'est la première raison qui m'a amenée à me joindre à Projet Montréal. C'était un peu ce Montréal participatif, ce Montréal urbanistique, intéressant en termes urbanistiques, en termes de valeurs, en termes de proximité. Toute la tendance vers la protection de l'environnement, la transition écologique, et l'idée surtout qu'on pouvait faire une ville plus inclusive. C'est vraiment ce qui m'a attirée, premièrement. Puis ensuite, deuxièmement, je dirais c'est un peu d'admiration pour Mme Plante. Je dis souvent que Mme Plante, c'est quelqu'un pour qui le mot impossible n'a aucune résonance. Chaque fois qu'on lui dit que quelque chose est impossible, elle arrive à le faire, que ce soit de devenir chef, que ce soit de remporter son district, que ce soit ensuite d'être réélu. Donc, je trouvais que c'était le bon leadership pour vraiment amener le changement à Montréal. Est-ce que je pourrais m'hasarder à dire que c'est quelque chose que vous avez en commun? Le fait de le mot impossible, vous ne connaissez pas? Je vais vous laisser dire, je vais vous le laisser dire. Ben, on va. C'est ce qui est dit. J'espère bien. C'est ce qu'on dit de vous. Est-ce que vous pensez. Alors là, vous avez franchi le pas, vous êtes reparti, comme vous avez dit, de l'autre côté, vous êtes élu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que de l'intérieur, une fois qu'on est élu, qu'on est dans votre position, est-ce qu'on peut véritablement changer les choses, comme je dis encore, de l'intérieur et favoriser plus de participation citoyenne? Est-ce que vous le pensez vraiment? Ah oui, moi j'en suis profondément convaincu. Je pense que si nous n'arrivons pas à faire changer les choses une fois qu'on est à l'intérieur, ben il n'y a pas d'espoir. Or, je suis un être d'espoir. Donc, clairement, je vais me dire qu'il faut être dans ces positions d'influence, il faut être dans ces postes qui nous permettent de questionner le statu quo si on veut vraiment amener le changement et qui nous permettent de crier haut et fort, comme je dis, les valeurs qui nous animent. Dans mon cas, à moi, la participation citoyenne, et je dirais même plus la participation citoyenne inclusive, a toujours été une valeur importante. Notre entretien tête à tête a lieu dans le cadre de l'histoire des Noirs. La dernière élection municipale, celle de 21, on a vu une vague d'élus afrodescendantes. On va rester sur les élus. Il y a eu quelques élus, mais élus, eux, il y en a quand même eu un certain nombre qui sont rentrés, qui siègent au conseil municipal. Vous-même, vous êtes la première donc, qui aujourd'hui occupe ce poste de président du comité exécutif. Quelles sont, de votre point de vue, les raisons qui ont entraîné cette vague-là? Ben, moi, je le répète, je pense que ça prenait. D'abord, je pense que la population était prête à ça, mais ça prenait également une volonté politique ferme d'avoir un parti qui était à l'image de la diversité montréalaise. Et en ce sens-là, je trouve que c'est très stimulant de faire partie d'une équipe comme ça, parce que pendant longtemps, dans mes autres actions militantes, j'ai souvent été
la seule personne qui portait les voix des afrodescendants, les voix des minorités visibles. Et si je ne notais pas quelque chose qui était potentiellement créateur d'exclusion, ben, il n'y avait personne d'autre pour amener la préoccupation. Mm-hmm. Ce que je trouve intéressant avec le fait qu'on soit tant d'élus afrodescendants, c'est que maintenant, j'ai plus besoin de m'inquiéter. Je me dis, on est plusieurs à regarder les différents dossiers. On est plusieurs à avoir cette sensibilité-là. Et on est plusieurs à pouvoir faire porter le message. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est une très grande valeur ajoutée. Mm-hmm. Au-delà des personnes, des élus afrodescendants, des citoyens afrodescendants, globalement, les personnes sous-représentées, généralement dans les institutions publiques, on sait qu'on a ce problème-là. C'est aussi une de vos préoccupations tout le long de votre parcours. C'est quelque chose pour quelque chose pour laquelle vous avez longtemps et vous continuez à militer. Quel est de manière collective ce que la société peut faire pour favoriser plus de représentation de ces personnes, je mets vraiment des guillemets, marginalisées? Oui. Ben, moi, je pense qu'on a comme société une responsabilité à se poser la question dans tous les espaces où on est présent de qui n'est pas autour de la table. Et est-ce que je pose un geste concret pour faire en sorte que cette personne y arrive? Je disais ça beaucoup dans les conférences de leadership. Je disais, il faut se poser la question, il y a combien de personnes, par exemple, des minorités, il y a combien de femmes, il y a combien de personnes handicapées, il y a combien de personnes autochtones autour de la table. C'est pas une question seulement de nombre, mais il faut parfois que des gens acceptent de dire, ben moi, je ne serai pas autour de la table si je ne peux pas être accompagné des gens qui sont les sans-voix. Et quand on arrive à faire ça, on se rend compte que la transformation arrive beaucoup plus vite. D'abord parce que ça met de l'avant plus de personnes qui ont des talents intéressants, donc qui sont capables de faire avancer les choses, mais surtout, ça change le regard des personnes autour de la table. Moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais présidente de l'Office, je me souviens que je suis venue au conseil municipal, pas au conseil municipal, mais je suis venue au comité exécutif pour présenter un rapport. Et à l'époque, il y a un employé qui m'a regardé et qui m'a dit, je lui tendais la main et il m'a dit « Ah non, laissez-moi parler à votre patron d'abord. » Alors que c'était moi la patronne. Donc dans sa tête, c'était pas possible que ce soit moi la patronne. Et ce que ça fait pour moi, quand on a cette représentativité-là à différents niveaux, c'est que ça change la perception des gens. Et on se dit « Ah ben tiens, oui c'est possible d'avoir une présidente du comité exécutif qui est noire. » Donc ça donne aussi des bons modèles à des jeunes qui disent « Ben moi aussi je peux » aspirer à ça. Je raconte toujours en riant qu'à 5 ou 6 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais « je veux être maire de Montréal ». Mais il n'y avait même pas de femmes au conseil municipal à ce moment-là, encore moins de personnes noires. Il a fallu attendre 1993 pour avoir la première élue d'origine afrodescendante. Donc, moi, je me dis, quand on n'a pas ces modèles-là, on s'imagine que ces rêves-là ne sont pas à notre portée. Et pour moi, qui ai été la première coordonnatrice de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs en 1993, je me dis, le progrès qu'on a accompli, c'est celui-là. À l'époque, il fallait qu'on cherche les exemples à donner aux jeunes de la communauté noire et à la communauté en général, à la communauté québécoise en général. Mais aujourd'hui, des modèles, il y en a plein. Il y a des ministres, il y a des conseillers municipaux, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens dans les médias. Donc, il y a comme une ouverture qu'on peut voir qui permet de changer le regard. Je vais me permettre de sortir un peu de mes lignes. Est-ce que pour vous, il y a cette inquiétude pour certains que ce soit juste une mode? Est-ce qu'il y a des idées comme ça qui vous viennent pour que ça perdure, que ce soit un mouvement qui perdure? Ben, moi, je pense qu'il faut aller transformer profondément nos institutions. Je pense que la transformation est déjà amorcée. Et à partir de là, il faut aller tout de suite travailler sur la relève, hein, sur les générations futures qui vont prendre notre place pour justement éviter que ce soit une mode et puis qu'ensuite ça disparaisse pendant 20 ans. J'ai l'impression qu'on a atteint le point de bascule. Depuis, je dirais, dans cette décennie-ci, il y a un point de bascule qui s'est fait, qui fait que
on voit beaucoup plus de représentativité. Est-ce que c'est assez? Probablement pas pour tous les groupes, mais il y a des réels progrès qui sont faits. Je dois mentionner, je vais maintenant m'adresser à l'élu, parce que vous êtes quand même élu d'une circonscription. Dans votre travail quotidien, une fois que vous n'êtes, si ça vous arrive, hein, vous n'êtes plus président du comité exécutif, quel est le projet d'avenir? Je veux qu'on se projette un peu, que vous avez pour votre quartier. Je vais commencer par là. Pour mon quartier? Oui. Pour mon quartier, je trouve ça intéressant parce que je représente une partie de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie qui est tout en contraste. Hein? Alors, on a à la fois tout le développement qui se voulait inclusif, solidaire des shops Angus, donc du développement Angus. On a aussi des parties dans le vieux Rosemont traditionnel où on a des populations qui sont plus âgées, plus vulnérables. Et on a aussi des parties qui sont en grand besoin de revitalisation. Je pense notamment à beaucoup de choses qui se passent à l'est de Saint-Michel avec Pinneuf. Donc, pour moi, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut travailler à consolider, entre autres, la trame urbaine dans ce coin-là. Comment est-ce qu'on peut soutenir les organismes de logement, les organismes de femmes, les organismes d'inclusion qui essayent de faire disparaître ces iniquités-là? Et comment on peut faire tout ça? Puis pour moi, c'est vraiment une grande joie de me joindre à l'équipe de Rosemont, la petite patrie pour ça. C'est surtout comment est-ce qu'on peut faire tout ça en ayant en tête l'avenir de la planète, donc la transition écologique. Qu'est-ce que vous aimez dans votre quartier? Qu'est-ce que j'aime dans mon quartier? Je vous dirais que j'aime le verdissement qu'on a réussi à établir. J'aime la mixité sociale qui s'y installe. Et j'aime le fait que lorsqu'on a fini de parler de milliards au comité exécutif et d'imaginer les grands plans, que les gens me ramènent à ce qui est important, des milieux de vie pour leurs enfants, la sécurisation des rues. Il y a comme une énergie dans Rosemont-la-Petite-Patrie que je pense qui existe peu dans d'autres quartiers ou qui existe différemment dans d'autres quartiers. Alors, je vous ai demandé votre projet d'avenir pour votre ville. Maintenant, je veux voir pour la ville. Je vous ai demandé pour votre quartier, par contre. Maintenant, le projet d'avenir pour votre ville. Si j'avais un leg à donner, ben, en fait, j'aurais deux legs, moi, à donner. Le premier, je dirais, et c'est là-dessus que je travaille, c'est toute la question de la réforme de la fiscalité municipale. Et ça dépasse de loin la ville de Montréal. Je pense que les municipalités sont des véritables gouvernements de proximité, mais qu'on n'a pas les moyens d'un gouvernement, les moyens réels d'intervenir comme gouvernement. Il faut toujours se poser la question, est-ce que je répare les rues ou est-ce que je travaille sur créer des milieux de vie qui vont permettre aux gens de se réaliser? Alors, je me dis, si on arrivait à réformer la façon dont on conçoit la fiscalité municipale, ça nous ouvrirait des perspectives vraiment intéressantes, donc tant au niveau des pouvoirs qu'on a, des responsabilités, mais du financement. Et j'y travaille très fort en espérant y arriver. Et mon deuxième projet est un projet, je dirais, plus terre à terre. C'est celui de la lutte aux inégalités sociales. Ça me dérange énormément quand je regarde, et ça, c'est mes 10 ans à l'office qui me permettent d'étayer ça, que je me dis qu'on n'a pas un espèce de tronc commun auquel tous les Montréalais, toutes les Montréalaises devraient avoir droit. Quand je pense qu'il y a des endroits qui sont encore des déserts alimentaires, qui sont encore des déserts culturels, quand on regarde que certains enfants ont des belles cours qui sont toutes verdies, alors que d'autres enfants jouent dans l'asphalte, ça me brise le cœur. Alors, je dis, si on pouvait travailler à faire en sorte que peu importe où on est sur le territoire de la ville de Montréal, on soit fier de notre territoire. Hein? On le sait, on l'a vu notamment dans la consultation sur le racisme systémique. Les jeunes de Montréal-Nord ne veulent même pas écrire sur leur CV qu'ils viennent de Montréal-Nord. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait une fierté d'être Montréalais, point à la ligne, et qu'on n'ait pas l'impression qu'on va être traité différemment dépendant du quartier d'où on vient. Il faut qu'on soit capable, quand on parle d'une véritable égalité des chances, ben ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'avoir accès aux mêmes chances que tout le monde. Donc,
les chances de se développer. On sait qu'il y a des déterminants, par exemple, de la maturité scolaire, qui fait que les enfants ont plus de chances de réussir à l'école. Bien, ça se trouve dans nos bibliothèques, dans nos CPE, dans nos cours de groupe. Il faut qu'on soit capable de les offrir. On sait que il y a des quartiers qui sont, je dirais, plus entachés de violence que d'autres. Bien, il faut qu'on donne des choix à ces jeunes-là d'avoir différentes avenues et de jouer positivement leur rôle de citoyen. Donc, pour moi, si on s'attaque aux inégalités territoriales, bien, on va s'attaquer éventuellement à un avenir où tout le monde peut aspirer aux mêmes chances, à la véritable égalité des chances. C'est ce type de discours, Mme Olivier, qui vous a donné cette aura de femme inspirante là auprès de beaucoup de personnes. Et je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont inspirés. On est en Facebook Live, donc il y a des questions du public. Là, on va en prendre une. Alors, vous avez été la première coordonnatrice du mois d'histoire des Noirs, ça tombe bien. Quelle est l'évolution que vous constatez avec la première édition? Là, on en est à la 32e édition, effectivement. Moi, je vous dirais que ce que je constate comme grande différence, c'est beaucoup au niveau de la représentativité. Comme je vous le dis, en 93, c'était la première élue afrodescendante qu'on avait. Il n'y en avait jamais eu avant. C'est intéressant de voir ça, de se dire qu'aujourd'hui, on est une dizaine d'élus et élus d'origine afrodescendante. C'est très, très, très stimulant. Je me souviens qu'en 1993, quand on faisait ça, il fallait réhabiliter quelque part le fait d'être noir. Il fallait à la fois donner à nos enfants, ils avaient toujours cette image un peu, je dirais, américanisée du noir qui aime danser, qui aime chanter, mais qui est pas très bon à l'école, puis qui à la limite va être un dealer de drogue. Et il fallait leur rappeler qu'on avait des grands personnages dans notre histoire. Que ce soit dans les pays d'origine, des diasporas afrodescendantes, ou encore ici même, se dire que, par exemple, la personne qui avait travaillé sur les transfusions sanguines était une personne noire, la personne qui a fait le premier plan d'éclairage à Montréal était une personne noire. De ramener cette espèce de fierté pour dire il y en a toujours eu, on fait aussi partie du tissu, c'était l'effort qu'on faisait à cette époque-là. Donc, c'était à la fois un effort de faire connaître l'histoire, et avoir des éléments de fierté. Aujourd'hui, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tous ces modèles, ils existent et ils sont là au quotidien. Donc, pour moi, c'est la plus grande évolution. La plus grande évolution. Autre question. Avez-vous des conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer en politique, particulièrement les personnes issues des minorités? J'ai envie de dire, allez-y! Allez-y, allez-y! Non, mais c'est sûr que il y a différents parcours qui peuvent amener les gens à être en politique. Je pense que la première chose à faire, c'est probablement de s'impliquer à l'intérieur des structures qui existent déjà dans les partis. C'est de devenir membre d'un parti, de participer à ses instances démocratiques, de s'intéresser au projet, d'être capable de venir au conseil municipal ou à l'Assemblée, d'être capable d'interpeller les personnes élues pour se familiariser avec ce monde-là, parce que c'est un monde qui, disons-le, n'est pas pour tous les citoyens facilement ou tout de suite facilement accessible. Donc, il y a comme des apprentissages à faire. Donc, de ne pas hésiter à prendre ces occasions-là de faire des apprentissages. Une des choses qu'on avait réalisées très tôt, au début des années 2000, c'est que c'était aussi des questions de réseau. Et il y a des endroits où on peut construire des réseaux. Dans les jeunes conseils municipaux, par exemple, on peut construire des réseaux. Dans les chambres de commerce, on peut construire des réseaux. Et tout ça peut nous amener éventuellement à nous lancer en politique. Vous parlez de modèles. Je suis toujours dans les questions du public. Vous parlez de modèles pouvant inspirer la communauté noire. Il y en a de nombreux aujourd'hui. Vous les avez cités en politique, dans les médias, un peu partout. Mais en avez-vous eu, vous? Parce que je l'ai dit, vous êtes arrivé, vous aviez 2 ans, puis vous avez, cheminé. Mais est-ce que vous avez eu des modèles en dehors de vos parents? Oui. Moi, quand j'ai eu... je devais avoir 20 ans à l'époque. J'ai vu Juanita Westmoreland Traoré, qui va devenir par la suite la première juge noire au Québec. Et j'ai regardé cette femme et je me suis dit, tiens,
J'aimerais être cette femme quand je vais grandir. C'était quelqu'un de tellement inspirant parce que déjà, elle s'intéressait à toutes ces questions-là. Elle était forte en défense des droits. Elle a été ensuite dirigée l'équivalent de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mais en Ontario. Elle a travaillé sur des lois fondatrices importantes. Et je me dis, et elle prenait toujours le temps d'aller parler aux jeunes de la communauté pour leur dire, vous avez un avenir. L'avenir existe, puis il est dans vos mains, et saisissez-le. Et pour moi, je dirais que ça a été probablement mon plus grand modèle d'inspiration. Madame Olivier, on est déjà à la fin. Ah, c'est passé vite! C'est très, très vite. mais ça a vraiment été un plaisir et même un honneur pour moi de parler avec, d'échanger avec vous dans le cadre de ce tête-à-tête. Je rappelle encore, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, vous avez cité des gens, mais vraiment, je me répète et je vais me faire le porte-parole de beaucoup de gens. Vous êtes aujourd'hui une femme très inspirante. Vous inspirez beaucoup de jeunes et de moins jeunes, je dois le dire. Je n'ai je suis pas passé à travers toute votre biographie. Je vais inviter les gens, parce qu'elle est relativement longue, je vais inviter les gens à aller chercher, comme on dit, à googler pour voir un peu tout votre parcours. Mais aujourd'hui, bon, on le sait, vous êtes à la tête du comité exécutif. Et puis, voilà, continuez à inspirer. Continuez à inspirer les jeunes générations, femmes, hommes. Ça fait du bien, la société en a besoin. Et puis, puisqu'on parlait de politique, je ne peux pas partir d'ici sans, évidemment, inviter celles et ceux qui nous regardent, qui peuvent s'impliquer justement dans Projet Montréal, puisqu'on est là à Projet Montréal. Donc, s'ils veulent faire bouger les choses, ils peuvent rejoindre les différents comités dans la ville. Ils vont donc à l'adresse comité, alors comité avec S, comité.projetmontréal.org. Je rappelle encore, comité.projetmontréal.org. Si ils et elles veulent s'impliquer et puis suivre vos traces. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie. Plaisir partagé. Et merci. On dit à toutes celles qui nous regardent, merci. Puis merci à l'équipe qui était derrière tout ça, parce que nous, vous nous voyez, mais il y a toute une équipe derrière. Merci, puis à la prochaine. Je rappelle, restez, allez sur le site de Projet Montréal pour plus d'informations.